Bonsoir tout le monde, nous sommes les Ocarinites et aujourd'hui on se retrouve sur un new Pokémon Snap. Fais attention, il y a du son, mais il est très très faible au début. Attention, annonce de mise à jour. On se hype pour rien. Chemin caché, jour et nuit, fleuve à bord. Terre désolée, jour et nuit, des conditions doivent être remplies pour débloquer ces nouvelles eaux. Ah ouais, d'accord. Il y a aussi des nouveaux filtres des autocollants, des cadres, des icônes de profil, des titres d'exploration. Et... voilà. Et voilà. Purée, qu'est-ce que j'entendais rien. J'ai dû monter le son. Les conditions pour terminer certaines zones ont été modifiées. Genre, ils ont changé le jeu. Attends, des nouveaux Poké. Ah ouais? Ok, j'ai pas lu ça, mais. D'accord. Non, mais j'avais passé. Ouais, mais oui. Mais par exemple. J'ai pas lu. Peut-être que maintenant le jeu est plus simple. Maintenant, tu n'as plus besoin de détruire le rocher là du fond marin pour machin. Professeur, vous avez l'air bien joyeux aujourd'hui. Ah, vous voilà, vous tombez à pic. En analysant de nouveau certaines données que nous avons récoltées, j'ai rendu le jeu un petit peu plus facile. Maintenant, je vous les indique dans l'émission si vous les avez réussies pendant que vous faites les photos. C'est pas vrai. Si. C'est vrai? C'est vrai, oui. Waouh. J'ai découvert un placement de nouveaux sites de téléportation. L'un d'entre eux nous se trouve près de la jungle de Kaleis et l'autre est situé au fin fond du désert de Aptos. C'est une super nouvelle, mais est-ce qu'on n'a pas déjà fait le tour de ces îles? Ah, tu sais, chaque exploration apporte toujours quelque chose de neuf. C'est ça la beauté des recherches. On va découvrir de nouveaux Pokémon, et ça c'est incroyable. Mais pas pour aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, bien évidemment, vous allez faire la mission d'Oreas. Bien sûr. Mais c'est à nous d'aller explorer ces nouvelles zones pour en avoir le cœur net, pas vrai? Mais bonsoir à tous ceux qui arrivent, je compte sur vous pour discuter avec nous dans la joie et la bonne humeur. Apparemment, ces nouvelles zones seraient susceptibles de me rappeler des souvenirs. Oh! J'ai hâte de voir quelle est l'expansion. Ça va être des zones de Pokémon Snap 1. Trop cool! Je vais prendre un max de photos! J'espère que vous êtes prêts pour l'émission d'Oreas. Ben, on n'a pas le choix. On va dire. Vous avez vu la notification? Trop bien, on gagne un truc pour ça. Oh, c'est joli. Ils sont gentils, tu vois. Ils te donnent des petites machins. C'est gentil. Des petits cadeaux. Bon alors, du coup, nous, on va à Oreas. Oh, j'avoue que du coup... Bah du coup, ça va être des... Ils sont à Kaleis et compagnie. Oui, c'est ça. Enfin, il a dit Kaleis et Aptos, je crois. Oui, c'est ça. Ok. Mais nous, on va à Oreas. Ouais, de toute façon. Donc du coup, on a un petit Démolos. Les Démolos ont l'air d'être constamment sur le qui-vive. Je me demande si cela ne les épuise pas à la longue. Donc j'imagine qu'il veut en voir un dormir. La pomme perchée. Tout à l'heure, j'ai vu un Natu se percher sur une pomme tendre que j'avais lancée. C'était si mignon. Oh, il a l'air d'être dehors. Le planeur. Oh là là, cette photo était à une milliseconde d'être parfaite. Mais j'ai raté le bon moment. Il est vraiment trop rapide, ce Pokémon. Attends, c'est... C'est le Bruivern, je pense, ouais. Dont elle parle. Le secret du cœur. Je pense savoir qui est à l'origine de ces marques, mais j'aimerais voir une photo qui le prouve. Je sais qui c'est, mais je vous le dirai pas. Je suis deg, j'étais à deux doigts de prendre la photo parfaite, mais je me suis loupée. Et tu sais de quoi je parle. Si tu sais pas de quoi je parle, regarde plutôt cette photo. Tu sais de quoi je parle quand même. Bah oui. Franchement, tu es pas bête, hein. Ah mais t'inquiète pas, Ultra Fox, le stream vient de commencer, je pense que tout le monde va bien. Salut Fataliste, t'as rien raté, on est en train de commencer. T'as remarqué ce corps cristallisé? On dirait que le Pokémon qui dort à l'intérieur peut exaucer les vœux. J'aimerais tant voir ça. Ah bah d'accord, comme ça, là, il y a un Jirachi qui se balade. On sait que je te disais, j'en connaissais un autre de Pokémon légendaire en fait, parce que j'ai vu cette mission. Mais c'est très bien, moi ça me va. Bah oui, bien évidemment que ça te va. Est-ce que le jeu vaut le coup de l'acheter? Bien bon, bah, sûr, il y a absolument Jirachi dedans, tout va bien. D'accord, oui c'est vrai. Hé hey, t'as 2 minutes. Faut que je te parle d'un truc, mais c'est top secret, ok. J'ai entendu dire que le prof est en train de tester une nouvelle fonctionnalité pour le Neo One. Mais chut, faut pas le dire si tu spoil. Et crois-moi ou pas, elle paraît qu'elle permet au Neo One et à son Pia de devenir aussi petit qu'un mini-niche. Ça te dit de tester ça vite fait? Quoi maintenant? Coucou, vous faites quoi de beau? Rien du tout. Vraiment? Du coup, je suppose que ça vous dérange pas si j'appelle le professeur? Hé, professeur! Mais chut, arrête! C'est bon, t'as gagné, je t'expliquerai tout plus tard. Viens dans la cuisine à 23h59, je te montrerai comment on fait les meilleurs sandwichs.
Et ça me va. Apparemment, pour que ça marche, faut utiliser le radar à un certain endroit du parc naturel et il rétrécira automatiquement. Parce que c'est comme ça. Maintenant, il n'y a plus qu'à trouver l'endroit. Mais tu viens pas de nous le montrer ? Ah bah, je... Viens à 23h30. Dans la cuisine, je te montrerai comment on culinise des sandwichs. C'est très bien si tu veux diminuer le nombre de calories que tu manges par jour. Après, t'as faim, alors est-ce que ça vaut le coup ? D'après Phil, c'est un excellent bon plan. Je vois pas le problème. On va y aller niveau 2. Ouais, vas-y. Bonsoir à tous ceux qui arrivent. On va apprécier au parc naturel encore quelqu'un qui a voulu sauver Régigigas. Ah bah Régigigas, c'est toujours un plaisir à soloter. Mais au début, t'as de la chance, tu vois, t'as 5 tours pour le tuer. Pardon. Ah, il est sur le qui-vive et toi tu le frappes. Mais j'ai posé une pomme à ses pieds, il a trébuché dessus, c'est n'importe quoi. Ah waouh, t'as trouvé. Bah t'as trouvé. Il est venu à moi, hein. Il y avait rien de spécial. J'ai même pas vu ce que t'as vu en fait. Haha, c'est pour ça en fait, j'étais... Ah super photo. C'est ces fameuses photos de chiens, tu sais, mais là, oui, que tu prends oui. Un gros plan et que tu vois que leur museau et... t'as pris la plus belle c'est des photos de Undoom, je pense. Mais oui, ah mon Absol. Ah, j'avoue, on n'a pas ta mission du coup, Absol. Mais non, faudra attendre d'être niveau 3. T'inquiète, tout va bien. Quand continuerez-vous les streams de Monster Hunter Stories? Ah, c'est bientôt. Bientôt. Quand un tonnerre, il arrêtera de se plaindre, peut-être. Ah bah, c'est ça, un des molosses fatigués. Comme d'habitude, c'est pas ça, du coup. Parce que, bah, lui, il dort tout le temps. Cool. Mais maintenant, c'est pas grave, on saura si t'as réussi une mission. Je sais pas pour comment, mais je sais que ça faisait partie de la mise à jour. Ça nous aurait été bien utile, hein, pour certaines missions, n'est-ce pas? Oh, c'est bizarre ici. Mais il y avait pas un Pokémon, genre un Natu que je devais voir à l'extérieur. Bon, ouais, si, tu devais voir un Natu qui fait je sais pas quoi. Bon, là il y a le Briverne bientôt. Non, tu l'as déjà vu? Non. Il était peut-être dans la zone 1. Tu vois ce que je veux dire? Mais voilà, soyez rassurés. Monster Hunter Story, ça devrait revenir. Maintenant que tout va bien, si je puis dire. Bah non, mais là, Monster Hunter Stories aussi, on voulait faire les quêtes. Oh là là. On voulait faire les quêtes dans notre coin et on a toujours pas fini. Enfin, moi, personnellement, j'ai pas encore fini. Bon, allez-vous bien, on va bien. Oh, attends, tu dois réveiller le Pokémon endormi qui fait des vœux. Pour cela, bien évidemment, tu vas devoir allumer toutes les torches, les lumières, les fleurs de cristal. Parce que c'est toujours comme ça. Mais non. Oh là là. Regarde, il est en train de boire. Ah mais non, oui, ok, d'accord, il est déjà là, en fait. Oui, en fait, c'est lui que j'ai pris, en fait. Ah, ok. Je suis déçu, moi qui me disais qu'il allait sortir du truc. Après il va se faire canard roquette, t'inquiète. Bah oui, j'imagine. Mais ça a changé de nom maintenant, ça s'appelle Vœu Destructeur. Tout de suite moins classe. Non, je rigole. Mais je vois pas le... Bah bien sûr non, mais que c'est moins classe. Canard roquette, c'était bien. Non mais quand j'étais petite, le canard roquette, j'étais fascinée. Je me disais, je sais pas ce que c'est, mais c'est incroyable ce ça nom. Ça ne veut rien dire. Non, moi je vois pas le problème, c'était très bien, canard roquette. Non, je voulais mettre derrière lui, mais je peux pas toucher. On peut vraiment pas passer à travers? Bah non. Ah. Regarde, t'as réussi. Ah bah non. Bah non, quand même, on change pas une équipe qui gagne. Même si j'ai pas vu deux endroits avec un...
Ah mince, le natu, j'aurais peut-être dû lui jeter une pomme, ça aurait marché. Ouais, j'avoue. Ouais, il avait pas l'air à l'extérieur, quand même. Si, si. C'était peut-être dans la zone 1. Oui, c'est vrai, Absol. Ah mais non, il n'y a pas de mission Absol. Oui, oui. Absol, là, il est parti en route pour la jungle, là, et... Oh, il s'étire. Et faire des kills sur Zeraora, ça se voit, regarde, tu vois. Il est prêt, il est prêt. Regardez-le, là. Il va faire poursuite. Il va faire poursuite. Ah oui, la meilleure attaque de tous les temps. Ah bah, dans Unite, ça change la vie. Ah, mais c'est clair que dans Unite, ils ont mis des coups, quand même. Regarde, là, il est pareil, il est prêt. Ouais, je vois ça. À mon avis, là, il doit chercher des comment ça s'appelle, des crawfish, là. J'ai oublié leur nom français. Tu parles des crapins? Non, c'est pas des crapins, si. Bah si. C'est des crapins. Ah, je sais plus. Je pop et je vois un Absol en gros plan. Ah, oh, bah t'inquiète, c'est normal, Ingtess. Bienvenue sur un stream de l'eau. Ah oui! La meilleure photo! Ah bah... mais non, mais cette photo, elle est géniale! Mais cette photo, elle est géniale! Il faut la garder, celle-là! Bah oui, ah bah non, mais elle, tu la gardes. Elle, tu la gardes, c'est obligé. Elle va direct sur internet. Regardez ça! Oh là là. Bon, de toute façon, t'as pas fait la mission. Il semblerait. Donc tout va bien. Tu peux la garder. Vas-y, bah non, mais tu la proposes au professeur, y'a pas le choix. Oui, bah oui, y'a pas le choix. Mon être ami, il avait rien. Mon coton, il avait rien. Bon, et là, Jirachi, y'a rien qui écrit qui. Ouais, donc à mon avis, t'as pas dû réussir sa mission. Bah, de toute façon, c'était avec la fleur. C'était avec le caillou. Ouais, la fleur, c'est une fleur. Donc voilà, là t'es libre, t'as trois étoiles, donc tu peux prendre ce que tu veux. Le professeur va-t-il se laisser tenter par un même? Ah, mais malheureusement, je pense pas, parce que comme la photo est pas 3 étoiles, il en voudra pas. Mais non, honnêtement... je pense pas que ça compte, j'ai vu des gens, ils avaient des photos du professeur qui étaient pas forcément 3 étoiles. C'est vrai? Oui. Nous, il a toujours pris, que du 3 étoiles, alors j'estimais qu'il prenait que du 3 étoiles, en fait. J'hésite à mettre celle-là, parce que c'est la 1 étoile bon, où vas-y. Il est le plus zoomé. Ah, vas-y, si tu veux. C'est bien, j'aurais fait aucune mission. C'est le tour d'horizon. C'est le tour d'horizon. J'ai une question. Comment on fait pour mettre le Bluetooth sur la Switch? J'en ai aucune idée. C'est probablement écrit dans les options. Je sais même pas s'il y a du Bluetooth sur la Switch. Enfin, s'il y a une option Bluetooth. N'hésitez pas à fouiller dans les paramètres de votre Switch. Je sais même pas pourquoi vous voulez du Bluetooth. Ok. Ah non, mais là, j'avoue que là, j'ai hâte de voir. Oh, mais c'est un Démolos. Il semble pas manquer de vigueur. Ah bah, bien sûr. Tu es vraiment très proche de lui. Tu as bien réussi à immortaliser cet instant. Mais regardez-la, elle fait plein de fois en plus. Elle est presque 4 étoiles. Oh là là, ça fait plus... enfin, c'est presque bien. Je l'enregistrerai plus tard. Il faut que j'y pense. Bref. Ok, bah, si ça te fait plaisir. Ok, légèrement meilleur, bien joué. Elle a limite le platine. Non, mais ouais, elle est trop bien cette photo. Il est en train de voler, voilà. Voilà, c'est super. Parfait. Alors, magnifique, splendide. Ah, il y a 2000 de taille, malgré le fait que. On voit pas très bien sa corne. D'accord. Très bien. Je pense à enregistrer les molosses. Oui, il faut absolument que j'y pense. Ouais, non, là, je... Elle, c'est posté sur le carnet. Ah ouais, non, elle, c'est... Direct. C'est même pas la peine. C'est la meilleure photo. C'est la meilleure photo de tous les temps. Et là j'appuie trop vite. Non. Là tu vas calmement. Tu vois, ça va être le seul moment de notre vie où on va être calme. Regarde, calme et la tranquillité dans l'espace comme nous l'ont appris. Ah bah tu choisis même pas la bonne photo, professeur. Hein.
J'avoue que bon, Franchement, photo, on avait une photo géniale là. Alors franchement, mais bon, c'est pas grave. Je savais que ce serait elle, les 3 étoiles. C'est mettre à jour l'album, c'est ça. Oh, professeur, alors qu'on a cette photo. Ah. Il n'y a plus d'espace. Comment ça, voulez-vous agrandir l'espace pour qu'on s'avec. Ah, d'accord, en fait. Ah, d'accord, ok, ils te prennent plus de place sur ton truc. Vas-y, fais ça. Ok. On prend. On a trop regardé beaucoup trop de photos sur ce jeu. Oh oui, non, mais il faut qu'on supprime des trucs. Mais ils disent que cette action est irréversible. Cette action est irréversible. À partir d'aujourd'hui, tu as 200 mégaoctets de moins sur ta Switch. Dédié à New Pokémon Stop, même si tu joues plus dans 2 ans. Tu vois, ces 200 mégaoctets, tu les récupéreras jamais. Très bien, à toi de jouer. J'ai réussi aucune mission. Mais t'es rentré là. Mince, oui. Mais vous êtes rentré. Mais oui, je suis rentré. On n'est pas passé niveau 3, j'espère. Bah, je sais même pas. Mais de toute façon, je pense qu'il faut que tu aies niveau 1. Parce que. Non. Si. Attends. Du coup, déjà. Ouais, non, on n'est pas passé niveau 3. On n'est pas passé niveau 3. Salut, Majas. Vous mettrez ça sur vos PC et après, on les oubliera et ça prendra de la place dans vos PC. Oui, non, de toute façon. C'est compliqué. Bon, alors, voici Demolos. C'est aussi peut-être lui qui est sur ses gardes et il faudrait le prendre pas sur ses gardes. Ouais, t'es très sur ses gardes là. Alors du coup, il y a un Shirachi qui sort de nulle part. Oui, là-haut. Il est derrière les blancs cotons. Ah tu oui. Tu vois, et il est... Là, tu prends les blancs cotons. Oui, bah oui, puisque... Alors, c'est toi le petit Demolos qui fait des trucs sympas? C'est lui qu'on a pris en photo et qui nous a fait une photo presque platine. Ouais, alors est-ce qu'il y a des trucs quelque part? Est-ce qu'on peut jeter des... Ah, c'est lui, c'est le Natu qui doit aller sur une pomme. Il va la manger. Ah oui. Tu devais aller monter sur la pomme, pas la manger. Tu devais être celui qui devait amener l'équilibre et pas celui qui devait la détruire. Ah, j'ai eu trop peur pour le Natu. Oh, c'est quoi là? J'ai envie de recommencer. Ah, on peut choisir le niveau auquel on recommence maintenant. Oh. Mais bon. Comment on a eu son museau aussi gros? Il a un museau tout fin. Mais il est venu très proche. Ouais, ouais. Tu sais, c'est un chien. Oui, oui, là. Bah oui, j'imagine. Alors. Oh! Ce qu'il faisait? Ouais, je sais pas, mais. Il voulait faire une roulade. Alors je l'avais tiré ici. Non. Si. Ah ok. Alors, tu veux pas monter sur les pommes? Faut peut-être l'illuminer. Parce que t'as vu, il s'envole comme ça. À moins que on n'a pas compris, il faut pas qu'il monte sur la pomme, faut juste voir un natu. Faut juste voir un natu. Cherche quelque chose. Attends, non, attends, on va recommencer. Et je crois que je sais. Dois monter sur le démon. Non. Je crois que je sais c'est quoi la mission de Demolos. Bonsoir à ceux qui arrivent. Je crois que j'ai compris c'était quoi la mission de Demolos. Attends, Demolos numéro 1. C'est faire des roulades. C'est Demolos numéro 2 que je veux voir. Donc là, il fait son truc. Là, il est. Alors sur Demolos, ses gars. Tu veux pas le refaire? Non. Ah voilà. Mmh. Ah. Non, il te surveille. Oh, bon, as-tu, il est venu direct. Enfin, t'as bien visé, j'imagine. Bon, oui, il veut juste manger. On va juste surveiller celui-là. Quoique, je devrais peut-être. Bonsoir, ceux qui arrivent. Ah, attends, tout à l'heure, il avait mangé. Oh. Est-ce que c'est parce qu'il avait mangé? Mais non, tout à l'heure, il l'a fait direct, en fait. Avant oui, même qu'on oui, était oui, là. Oui. Mais c'est ça, c'est cette action, je pense. Parce qu'en fait, je l'ai remarqué. J'ai compris ce qu'il faisait. Ah. Voilà. Et en fait, là, il s'étire. Donc peut-être que c'est ça qu'il veut, le professeur. Donc Brivern, il est pas là au niveau 1. Ah, si, il est là. Au niveau 2. Du coup, je l'avais pas vu. Faut qu'il fasse un truc. C'est vrai qu'on a déjà pris une photo comme ça, mais... Ouais, mais est-ce qu'on l'avait faite au moment?
Ouais, elles vont vite les photos. Hein. Je devrais pas en prendre autant. Je suis bloqué. Non, c'est bon. Démolos, le Pokémon que j'ai toujours voulu jouer, mais on n'a pas le droit dans Cristal. J'avoue, moi ça va, j'ai eu l'occasion de le jouer à l'époque de la... De la 4G ? Oui, c'est ça, de la 4G. Ouais, ouais, c'est dans la 4G que tu as joué à Démolos. Il était sympa, hein, il y avait des choses à faire avec. Oh, bien joué. Il était où, Jirachi ? Peut-être qu'il sera pas il là. Il est plus loin, là-bas, tu le vois déjà, en fait. Mais je me demande si c'est pas niveau 1 aussi, parce que je vois pas son cristal, là, dans le niveau 2. Oh, oh j'ai presque eu. Bien joué, presque à moi. Presque bien joué. Bah, Démolos, bah, c'est vrai qu'en soi, Démolos, je le trouve plutôt sympa, quand même, comme Pokémon. Mais bon. Malheureusement pour lui, il y a des meilleurs attaquants de feu spéciaux. Bah moi, dans ma team, c'était le leader, finalement. Ouais, je sais, mais... Il venait pour embêter les gens qui faisaient leurs pièges et compagnie. En fait, les gens, ils étaient en mode... Tu le jouais de manière bien taquine. Oui, c'est ça. Les gens, ils étaient en mode... Fouah, c'est juste un démolo, si je vais le détruire. Et puis, du coup, j'avais mal. Et après, tu te faisais détruire parce que l'autre, en face, il faisait une attaque feu, machin. Bon, ça arrivait qu'une fois, ça. Oui, je sais. Mais autrement, il faisait des choses à merveille, mon démolo. Et oui, une fois, je me suis fait troller. Ma stratégie. Alors... C'est la pire photo à prendre. Mais sinon, oui, je jouais un Démolos avec un bandeau et riposte en fait. Pour. Ah oui, et donc elle, cette fleur, elle est où? Elle est derrière lui? Ah oui, c'est. Allez, va-t'en. Et du coup, voilà, laisse-le passer parce que moi, du coup, dès que je l'ai illuminé. Attends quoi? Ah voilà. Ah. Normalement la dernière fleur de Absol. Non bah là, je crois que je l'ai déjà dépassé du coup. Malheureusement. Non regarde il y en a une autre là-bas. À moins que comme même si tu l'allumes ça marche pas. Merci Melchiken pour tous les cheers. Bon en vrai j'avoue que j'ai pas tout compris. Jirachi. Ah si elle est là. Oh. Wow, il va faire quoi? Il va aller faire un vœu. Oui. Il va faire un carnet requête, qu'est-ce que tu racontes? Bah bien sûr. Wow. Il a l'air ravi. Ok. Waouh. Oh, mais dis donc. Bon, très bien, mais je bon. Ah, il va voir Absol. Non, tu l'as empêché d'aller voir Absol. Allez, moi, allez, je vais voir, je vais aller voir mon cerf préféré, mon cerf d'aigle. Clin d'œil. Blague très nulle. Oui, j'ai pas compris du coup. You never give up. Alors, est-ce que j'ai fait l'émission? Oui. Oui. Ah, j'ai même fait du coup la mission de Jirachi, mais c'est trop bien, mais quel talent. Mais franchement, je m'impressionne. Bon, j'ai pas réussi la mission de Natsu, du coup, c'était pas ça. Non. Vous n'avez pas le droit. Tu vas pouvoir voir s'il a sélectionné la mission. Non. Ah si, les deux, ça compte, c'est pour ça. Ah oui. Bon, allez, on va lui laisser, il a choisi celle-là. Bon, du coup, c'était... On n'a jamais eu la 1 et la 2, mais on n'a pas fait la mission, du coup. C'était pas l'explosion de la planète. Trop bien, deux Pokémon préférés de l'eau, aller faire un truc ensemble. Mais oui. Ah, donc il a pris la mission. Ouh. Bah attends, elle est mieux quand même. Bah l'autre, ouais, non, je sais pas. Elle est mieux quand même, elle. Franchement. Eh, tu vois, j'ai même pris une nouvelle photo de Absol que tu n'as jamais prise. Une photo de Absol qui s'apprête à jouer à Pokémon Unite. Bon, c'est sûrement ça. Faudrait arrêter les blagues, elles sont pas drôles. C'est pas grave. Voilà, super Natu qui monte sur la porte ou je sais pas quoi là. Bon, au moins ça c'est fait et c'était bien le truc de Démolos qui s'étire.
comme on appelle dans comme le milieu, il, a l'air il fait du ski. Il a l'air il fait du ski. Le comportement de ski est plus banal. Oh, c'est très banal de voir le chien se branler. Bon, oui, hein, tu vas me dire quelqu'un qui s'étire, c'est pas comme si c'était le truc. Ah, écoute, il y a eu la mission. Elle est jolie ta photo de Bruit Vert. Ah, bien sûr. Il a même. Quoi? Mais elle est. Mais professeur, mais comment ça? C'est tout ce qu'il a à dire. Mais il professeur se moque du monde, là. Difficile d'évaluer cette photo. On dirait qu'il fait un vœu. Ah oui, d'accord, il fait un vœu. Ben oui, voyons, ça se voit, il fait un vœu. Bref, oh. Oh là là, vous êtes vraiment pas. Vous êtes pas très imaginatifs, vous, les enfants, là. Moi, je le sais, en tant que professeur, il fait canard roquette et il fait un vœu. Il a l'air ravi. Voilà. On notera que le Bruit Vert, c'est le professeur qui a choisi tout seul cette photo. Non, c'est moi qui l'ai prise. Ah, ok. Non, il a choisi une photo. Ah oui, ok. Bah, non, pas non, 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 t'inquiète. Ah, ça va, ça va. C'est pas... Alors, qu'est-ce qu'il fait, là? Parce que bon, j'avoue. On voit que vraiment, ce jeu... Vous jouez pas à Pokémon Unite, vous, ça se voit. Unite, pardon. Unite. Unité. 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 Pokémon c'est Unité. C'est Pokémon Unité, s'il te plaît. Mais oui, mais le oui. téléphone, il dit c'est Pokémon Unité. Alors, bah, voilà. J'ai fait deux missions, c'est déjà bien. Pas mal, pas mal. Franchement, GG. On est passé niveau 3 et moi, je t'avoue que j'ai très envie d'aller... Non, tu vas pas lire les missions. On non, reste... d'aller dans le niveau 2. Mais ah en bon fait, on peut recommencer. Donc, bon, c'est pas grave, je vais quand même aller... Ah, bah c'est ça qu'on voulait depuis tout ce temps. Ah, ça c'est bien, ouais. Bah on va plutôt s'occuper de Natu, du coup, finalement. Ok, on passe. Attention, on va se faire écraser par un démolos. Voilà, c'est bon. Ah, t'as voilà. peut-être très long. C'est peut-être un truc qui est faisable plus au niveau 1, je crois. Donc, on verra. Ok, il est venu direct. Parce que lui, là, il... Ouais, il mange sa pomme. Ça, c'est déjà ce que je lui ai pris. Eh mais on remarque, c'est super pratique, parce que maintenant, tu genre, tu vois, tu veux faire un test avec un personnage du niveau 1, et paf, tu peux faire direct, je recommence, je fais niveau 1, et puis c'est bon, quoi. C'est trop bien. Mm-mm. Oh, il me suit. Ah non, il me suit pas. Cette mise à jour de Pokémon Snap rend le jeu meilleur pour farm les missions. Mais non, mais ouais, non, mais franchement, ils ont fait plein d'améliorations, au final, qu'ils auraient dû faire de base, j'ai envie de dire. Mais bon, c'est pas grave, ils l'ont fait, et c'est tout ce qui compte. Bon, il s'en va. Mouais. Bah, en fait, le fait est que les golems à stock, j'ai l'impression qu'ils faisaient. Ils faisaient plus de. Ah bah, les golems à stock. Ah oui, c'est vrai qu'il y a Bruit Vert aussi. Il faut qu'on trouve un truc à faire avec lui. Sachez que si on lui fait le radar, il était pas content, il me semble. Mais je me souviens plus ce qu'elle voulait la mission. Elle a dit j'ai réussi, il fallait réussir ma photo, mais j'ai raté. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Et là, on va vous arnaquer comme Aurore dans l'animé. Ton Capidex, ça fait un joli truc, mais on veut le Pokémon. Ça me fait penser à Capidex, effectivement, de l'animé Pokémon. Cette histoire incroyable de ce Pokémon. C'est l'histoire d'un Pokémon qui suit Sacha parce qu'il aime bien Sacha. Je suis désolé. Et puis finalement. Non, je veux faire des concours avec Aurore. Ah, mais non, finalement, je vais aller faire du ping-pong. Change d'avis comme de chemise. Mais après, on sait pas ce qu'il est advenu de ce Capidex. Non, si ça se trouve, il a encore changé d'avis, il est devenu cuisinier après. C'est vrai, c'est vrai. On sait pas. Je pense qu'il y a rien du tout. Hein. Je vois pas ce qu'il y aurait. Parce que là, les Golem Astak sont toujours tout seuls. Ouais. Je sais pas si j'abandonne ou si je recommence. Bon, je préfère y aller au niveau. Tant bah vas-y. C'est un peu le message, on peut changer de passion dans sa vie. Ah bah bien sûr, on peut changer de passion dans sa vie. Mais elle est quand même incroyable, son histoire. Bonjour. Au revoir. Alors, est-ce qu'il est là, le...
Ah ouais, ok. Donc finalement, tu vois, t'aurais peut-être raison pour le... Ah, il est déjà sorti. Attends, mais... Et là, il monte sur la pomme. Pourquoi ? Mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Non, mais c'est ses missions qui marchent dans le niveau 1. Mais... Et puis visiblement, ça marche qu'une fois. Hein. Maintenant, tu l'as cassé, hein. Je crois que tu sais, bon, tu l'as cassé. Il est parti, n'en parle non plus. Comme les crocodiles. T'as changé, Absol. Il a juste pris. C'est juste un Absol de Galar qui est de type feu, machin. J'avais jamais réalisé que Capuma avait fait ce chemin. Il avait suivi Sacha dans tout Owen, non ? Non, il arrivait à la fin. Non, il arrivait à la fin et après, en fait, ça faisait un Pokémon de ON qui était au début de. Enfin, Sacha, du coup, il commençait Sinnoh, mais pas avec un seul Pokémon. Oui. Il a commencé avec Doudou. Waouh, très original. J'ai juste pris le bruit verne juste pour regarder ce qu'il faisait et il faisait rien. Donc peut-être qu'il fallait que je fasse quelque chose. Ouais, peut-être. On va voir les Golemastok maintenant. Donc, où est-ce qu'il y avait deux Golemastok ? Il ne manque pas. C'était là. Non. Pas vous deux. Il a remplacé Rondoudou alors. J'avoue que Rondoudou, je sais plus à partir de quand il a disparu. Ben, c'est à Johto ? On le voit, on le voit à Owen. C'est à Owen qu'il a disparu. Ah oui, bah ouais, il fait copain-copain avec je sais plus qui avec là. Avec un chuchemur. Avec un chuchemur et après il disparaît, ouais. Du coup, bah il l'a remplacé. C'est pas vraiment remplacé puisqu'il fait vraiment partie de l'équipe de. De Sacha, mais. Wow! Mais c'est sûr que voilà, il y a des Pokémon qui ont complètement disparu. Genre Rondoudou. C'est trop bizarre ce qu'il y a de l'élu de Rondoudou, du coup. Entre guillemets. Quoi qu'ils ont pas essayé de le remettre dans des générations après? J'avoue, j'ai non, ils l'ont pas remis à Alola. Ils l'ont pas revenu à Alola? Je sais plus. Cependant, bah le fait est qu'ils ont changé de scénariste à partir de... Ouais, Rondoudou est réapparu deux fois à Alola, ouais, c'est me semble. Mais il a redisparu après, bah oui, quand même, faudrait pas... J'aime bien ces personnages iconiques de l'anime, sauf Persian Garfield. Ah non, mais le Persian Garfield, c'est le pire. Ah non, le Persian Garfield, c'est le pire. Ou alors, au contraire, il est très bien, ce Pokémon, je ne sais pas, mais... Ah, il est impressionnant quand même. Il veut manger tous les autres Pokémon, c'est incroyable. Il veut manger tout le monde, il veut même manger Sacha. Mais j'étais sûr qu'il y avait un endroit où on voyait deux Golemastok, j'ai rêvé. Mais ouais, j'ai essayé de voir tout à l'heure aussi, j'ai pas vu. Pourtant, c'est ni niveau 1 ni niveau 2, du coup, puisque bah. Bon, c'est pas grave. Bah non, on avait la mission. C'est étrange. Oui, mais non, enfin oui, enfin, je veux dire, c'est pas sur le chemin de passe ou j'en sais rien. Bah non, ça peut pas être, c'est forcément sur le chemin de passe. Je dis n'importe quoi. On sait pas montrer au professeur. Attends, il y a trois options maintenant. Oui. Bon. Il y avait abandonné et montrer au professeur et un autre truc. Peut-être retour. Bon, de Molos. Rien de nouveau. Mais il fait trop peur, je pense qu'il est très bien réussi. Ah ouais, non, mais franchement. Ah, voilà, bien joué, tu as réussi l'énigme du Natu. Bravo. Waouh. Bah, l'énigme en soi, c'était aller au bon endroit, au bon niveau. Oui, donc, il fait rien. Non mais on part. Ah, Rondoudou est pas dans épée bouclier. Bah peut-être, je sais pas, j'ai pas vu la saison de... entre guillemets épée bouclier. On va y arriver à la photo de platine un jour peut-être. Bah c'est parce qu'il a pas pris la bonne. Il a pas pris la. Il est en train de manger mais rien du tout. Il a même pas mangé la pomme. Il est en train de manger. Elle a disparu sous ses pieds. Oui. N'importe quoi. Nice timing. Ah bah oui, là tu préfères. Hein. C'est un bon timing ça. En plus c'était la même photo que la U, la 4 là, c'était un petit peu nul.
Oh bon, très bien. Je préfère quand... quand il est dans Tritox, son sens-là. Tritox, il vient pas, plutôt qu'il part. J'aime pas trop quand il part. Oh, j'ai eu le best au timing. Ou Pikachu régresse en tout cas. Ah non, mais Pikachu de Sacha, c'est les montagnes russes au niveau. Mais non, à chaque fois qu'il va dans une nouvelle région, il tombe malade. Il fait un rebirth, tu vois, il remue. Ah d'accord. Mais il garde 10% de ses stats quand même, j'espère, pour lui. Ah bah oui. Ah ça va, d'accord. Du coup, il devient meilleur à chaque saison. Ah, t'es rentré à la base. Oui, je veux relire l'émission. Alors, non, on va pas lire l'émission, et toi, tu vas lire l'émission. Tu te moquerais pas un peu de moi, par hasard? Mais j'avoue... J'ai oublié, en fait, sur le coup. C'est pas grave, tu peux aller lire l'émission quand même. Tu lis pas celle avec un point d'exclamation. Mais non, pas Adamantia... Regarde, celle avec un point d'exclamation, tu touches alors, pas. On a le planeur. Ah, mais... Mais en fait, c'est pas... Ah, mais oui, mais ah, mais c'est après. Pas... Ouais, c'est après, d'accord. Ah oui, c'est vrai, on a... On a cet endroit. Le secret du cœur. Mais non, mais les ruines du protecteur, c'est pas l'endroit de Xerneas quand même. Ah, t'as peut-être raison, effectivement. Du coup, c'est pour ça, on a jamais vu de chauve-souris. Je me disais aussi, c'est trop bizarre ça me dit rien. Les deux Golemastok. Ah, bah non, elle est là, la puissance de Xerneas en fait. Donc oui, non. Et bah, les ruines du protecteur. Et nous, là, quand tu regardes. Là, c'est les ruines du protecteur. Attends, c'est toujours les ruines du protecteur? Mais non, ça c'est la mission de Xerneas, elle est là. Et elle se passe dans le cul du protecteur. Ok, j'ai rien dit. Attends, d'accord. C'est quoi la mission à gauche? Attends, le secret du cœur, c'est la ruine du protecteur. C'est quoi, fondu dans les ténèbres? Ah non, c'est nouveau. Okay, ah non, c'est nouveau, non, on regarde pas. Donc j'ai. Voilà, on a un, deux doigts, photo, loupé. Un, parle, photo. Bah, dans tous les cas, je pense quand même que bon, Chauve-Souris, voilà. Il est peut-être avec Xerneas. Donc on a Golemastok, Bruiverne et un truc. Non mais Chauve-Souris, je pense qu'il est avec Xerneas pour de vrai. Salut la confrérie. Vous avez vu le film Détective Pikachu d'ailleurs? Non. Nous voir un film. Je rigole. C'est Pikachu un Pikachu de Unite qui revient niveau 1 régulièrement. Bah non, attends, je crois que je suis parti niveau 3 là. Oh non. Parce que j'ai... Bon c'est pas grave. Oui, on voit un... On ne se spoile pas, attention, voilà. Très bien. Voilà, très bien. Tout va bien. Bon alors, on n'a rien à faire avec vous. Tout va bien. Voici, tu dois prendre une petite photo pour qu'il passe niveau 1. Ouais, ton orbe lumineux. Et bah voilà, c'est ça. Bah oui, je sais pas ce qu'il fait. C'est pas grave, on va le prendre du quand même. Headbang. Du headbang, yes. Mais il est pas grand en fait, ce trou. Donc on n'a pas de mission pour Tritox. Non, ça doit être plus tard. Mais du coup, il y a ce Bruiverne qu'on est censé revoir dans la grotte. Donc du coup, si je le laisse tranquille, peut-être que... Il vole. Ouais. Il s'en va. Ah, il y retourne. Et il y retourne. Ah, ok, donc je vais le laisser tranquille. Il faut pas y toucher. Pourquoi vous ne voulez pas faire le niveau 3? Parce qu'on veut faire l'émission du niveau 2. On fait l'émission du niveau 2 avant et après on verra le niveau 3. Chandelure. Mais c'est écrit du Guilabre. J'ai oublié son nom. Voilà, c'est bon. Il était vers le lac violet. Ouais. C'est les signaux pour les avions. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut t'embêter, les signaux pour les avions? Non, ouais. Visiblement, tout toucher, c'est en option, il semblerait. Ah ouais. Je sais plus, vous téléporter, non? Ouais, non, il s'en va, effectivement. Donc, bon. Ah. Tu as fait un truc avec Golurk? Oh, y'a Absol, il te regarde. J'ai pas le temps de jouer avec Absol. Ah, c'est dommage. Voilà. Peut-être qu'il va l'emmener ailleurs. Est-ce qu'il y a d'autres? Là, il y avait un Nétram à ta gauche, mais... Est-ce qu'il faudrait que tous les Nétram s'occupent d'un Golurk? Ouais. Voilà, ça peut pas être lui, il est trop long maintenant. Alors, c'est bien de boire de l'eau. C'est de l'eau jirachi. Ouais, c'est que ça. C'est une mission qu'on aura plus tard. Ah, ça a attiré un Tritox. Mais je l'ai vu cette mission dans les photos de la zone 3. Ok. Ok. Ah. Il a l'air déçu. Ah non, à moins que ce soit ça en fait la mission de Bruiverne. Bon, je sais pas et du coup j'ai pas joué avec les Nétram. Vous avez...
Wow. C'est des gaulures qui volent. Wow. C'est peut-être bien ça. Wow. Mais c'est pas ça la mission. Attends, mais je suis toujours au niveau 2, j'espère, là. Mais oui, t'es toujours au niveau 2. Oh, mais c'est trop bien. Wow. Alors, non, mais vous dites pas c'est pas ça la mission, mais c'est génial. Mais si, c'est bon, regarde, là, il y en a deux maintenant. C'est génial comme mission, et vous dites c'est pas ça, je suis un peu triste, là, c'est génial. Mais si, c'est ça la mission, c'est obligé. Mais c'est... Salut, Absol, tiens, mange une boulette. Ah bah d'accord, ok. Je te donne de l'XP que tu pourrais aller faire des dunks après avec et... Tiens, regarde, il est prêt, il va. Il se cache un petit peu. Tu sais, Absol, s'il il se cache un petit peu. S'il se fait frapper, il meurt, alors du coup, tu vois, il prend son temps un peu. Bon. Montre au professeur. Et salut, Whispy. C'est bon, c'est la mission. Par contre, Bruyverne, ouais, c'était pas ça. Ouais, j'ai pas réussi, Bruyverne. Il est rigolo. Mais oui, c'est incroyable. C'est que du une étoile, en plus. Un peu dommage. C'est un petit peu dommage. Ah, bah, on a jamais pris ça très bien. Tritox. Le Tritox. Peut-être que... Après, il venait, donc peut-être que il fallait le prendre pendant qu'il était en train de venir. Après, peut-être qu'il fallait que je l'allume. Ah non, tout ça, c'est... Oh bon. Ah, donc ok, on a l'embarras du choix. Bah, choisis celle que tu préfères pour la photo. Allô, est-ce qu'on prend elle? On le voit bien là. Ouais, c'est vrai. Elle est bien. Bon, après, c'est sûr que je préfère quand ils sont tous dans le ciel. Ouais, mais jamais de la vie va dire que c'est bien. Tu bah vois. Oui, je sais. Jamais de la vie. Quoique celle-là est peut-être pas mal. Non, il va dire qu'elle est nulle. Il va dire qu'elle est nulle. Bien sûr qu'il va dire qu'elle mais est nulle. Oui. Kailia. Nice timing. Ah, c'est un comportement très ordinaire. Moi aussi, je vois tous les jours des molosses faire ça. Effectivement. Oh, tu dis ça, mais c'est parce que t'as pas de molosses à la maison. Je t'assure, moi j'en ai un à la maison, on fait ça tout le temps. Insupportable, mes tapis ils sont détruits. Tu fais ses cornes. Lugulabre. Ah, un petit peu mieux. Il y a quelque chose d'ailleurs, des bugs, il était méchant avec lui. Tritox. Difficile de. Il n'arrive pas à comprendre le Tritox avec les. Qu'est-ce avec que c'est? C'est une griffe, c'est un Tritox, je sais pas. Mais la taille est pas mal, hein. Il a l'air bien calme, oui. Bien évidemment qu'il a l'air bien calme. Alors. Il est en train de voler. Quel talent, tu as pris la photo au meilleur moment. Ah. Je sais pas qu'est-ce qui a déclenché ça, par contre. Mais... J'avoue. Mais écoute, ça a marché. Des trams, il semblerait. Oui, ça a l'air d'être ça. Ça a l'air mais lequel, le premier? Ceux d'après? J'en sais rien. Bah, ça a l'air d'être ceux d'après. Ou alors tous. Peut-être qu'il y en aurait eu encore plus si tu les avais tous vus. Ouais. Oh, c'est Absol sur l'icône en bas. Bref. Allez, plus bon qu'une chance. Mission. Le Bruyverne. Mais à mon avis, il fallait le prendre au moment où il est arrivé, le Bruyverne. Moi, je ne l'ai pas fait. Oui, tu t'es occupé à regarder autre chose. Du coup... J'ai quelque peu raté. Allez, on fonce, pas de temps à perdre. Molosprit. Oui, à Bruyverne, il est content. Il se demande où est-ce qu'il va manger ce soir. Hein, une petite pizza, ce serait pas mal. Une petite pizza de Tritox, j'aimerais bien aussi. Attends, il vient de se poser. Et j'avoue, est-ce que c'est pas grave? Mais ouais. Non, mais toi, il s'était pas posé. Bah ouais, je sais, mais peut-être que c'est pas grave. Ah, si, quand même. C'est louche. Ah, bah si, c'est louche. C'est beaucoup trop louche. Je suis arrivé trop vite. T'avais fait un truc. Non, j'ai rien fait. Je l'ai juste regardé. Je me dis, je ne vais rien faire pour voir qu'est-ce qu'il fait. J'ai complètement raté.
On va le regarder. Prends-le en photo, peut-être. Allez. Okay. J'ai mis, j'ai peut-être pris en photo. Et, ouais, bon, je l'avais pris en photo, visiblement. Il y a des trucs à gauche, quand même, parce que bon, au final... Bah, on voit cette petite caverne, mais... Si tu jettes des pommes dedans, il y a des trucs. Attends, à ta gauche, là, c'est quoi, ça? Ah, c'est... Un puits. Ah, je t'offrirai là, quand même. Ah bah, voilà, c'est bon. Ok, très bien. Donc, c'était là. C'était pas avec Xerneas. Du coup, il faut regarder où est-ce qu'il va, lui aussi. Bon, après... Le chauve-souris? Ouais. Je pense pas. Non, je pense qu'il faut juste... Ah, attends, quoique... Ah, c'est peut-être ça, ouais, genre il a accroché un... On dirait un compéto. Bon, c'est bon. Ok, très bien, bien joué, félicitations, vous avez réussi cette mission. Peut-être. Peut-être pas. Tu l'avais... Lui, j'avais jeté des pommes, hein. Ouais, lui, pour... À mon avis, c'est pour Golurk, lui. Enfin, le Golemastok. Golemastik. Ce n'est pas un absol de forme, lui. Ah non, c'est un absol sauvage. Tu prends tellement de photos de golem. C'est un très beau golem. Donc c'est juste après ça, du coup. Il est bientôt là. Je dis, t'as passé en mode rafale pour être sûr. Ah, je sais que j'ai jeté une pomme sur l'endroit. Ça a fait apparaître un Tritox. Et après, il est arrivé genre par derrière. Donc faudrait que tu... Fasse attention. Mais par où il est vraiment arrivé, ça, par contre, je sais pas. Ah, il est là. Okay. Peut-être que si tu le prends. Là. Bon, c'était peut-être juste son vol plané qu'il fallait faire. J'avoue. Je pense que c'est peut-être juste ça, effectivement. Ça m'avait l'air pas mal. Bon, bah on va rentrer. On va demander à nos amis les Netram de... Ah bah voilà. Ah, tu vois, c'est peut-être le premier ou le deuxième, parce que... Ouais, là, il s'arrive, ok. Ok, bon allez, on va montrer au professeur. Je suis dégoûté, lors de ma première exploration sur le parcours, j'ai réussi à faire la mission du Bruyverne, mais je l'ai vu trop tard, depuis je n'arrive plus à provoquer cette situation. Eh bien, tu n'as qu'à suivre notre super guide que nous venons de faire. Prends-le en photo la première fois que tu le vois. Ouais, visiblement c'est peut-être ça. Hein. Merde. Oh, ouais. En fait, voilà, quand il est venu la première fois, là, ici, on l'a pris en photo, et après il est reparti. Et là, bah, du coup, il fait ses... Et là, il plane, ou... c'est du 4 étoiles de voir un Bruyverne planer. Voilà, c'est pas ça, c'est ça. On va prendre une jolie photo où il plane. Bon, elle est pas mal celle-là. Il est très bien. Et voilà, t'as réussi chaud sourire aussi, tant qu'à faire. Et je crois que du coup, on est bon. Ah non, mais en fait, on est déjà pas mal. Ok, et donc chauve-sourire, c'était effectivement... C'était bien, effectivement. C'était bien qu'il soit sur le mur. Vas-y, on va le prendre en train de briller parce que c'est plus mignon. Voilà, bravo, bravo, félicitations. Oh, c'est que du une étoile. C'est que du une étoile. Regardez cette photo magnifique qui aura moins de points. Il est en train de voler. Bravo. Là, il plane, il vole pas là, il plane. T'as un Spiros de dragon. Là. Il a l'air bien calme. Salut Alexis. Salut Vati. Un chauve-sourire. Non, j'ai pas vu ce qu'il disait. On va tous faire nos comparaisons pour Golemastok. Moi je dis qu'il joue lance-canon. C'est vrai, je pense. L'angle de vue laisse un peu à désirer, vous êtes sérieux professeur? T'aurais pu prendre une meilleure photo. Vous êtes sérieux? Oh, il a l'air bien calme. Oh, bof bof cette photo.
Il a l'air pressé. Ah bon, bah, si vous le dites. Je suis sûr qu'il a l'air pressé. Il est en train de voler. Oui, voilà. Et donc, du coup, tu vois, quand il faisait son atterrissage, il a vraiment dit « Tu n'aurais pas pu prendre un meilleur moment. » Le professeur, oui, oui, lui, oui. Il préfère l'atterrissage. Non, moi, j'aime le voir voler, c'est... Attendez, là, quoi, il vole terrible, hein. C'est nul, moi, je préfère l'atterrissage, quand même. Très bien, très bien. Pourquoi t'as pas pris la photo de chauve-souris collée au mur de face, je comprends pas. Mais oui, c'est inadmissible. C'est moi ou... Bon, rien du tout. J'allais dire, on passe super vite au niveau 3. Bon, bah, je te laisse découvrir le niveau 3. Ah, bah non. Ah, faut que j'aille lire les missions quand même, parce que tu vois, j'ai beau être omniscient, je ne le suis pas tant que ça quand même en réalité. Je comprends pas. Je vais pas réussir toute la mission. Tu vois, je suis désolé quand même. Bah, t'inquiète pas, Ruko, il y a des Zelda où on contrôle Zelda, ça s'appelle Spirit Tracks. Ensuite, Hyrule Warrior. Hyrule Warrior, l'ère du fléau. Bon, attends. Entre chaque patrouille. Ah oui, c'est vrai qu'il y a... Les terreaux semblent être constamment en patrouille, mais si tu les observes de près, tu verras qu'il leur arrive parfois de prendre une petite pause. Fondu dans les ténèbres, j'ai l'impression qu'un Pokémon se cache dans les parages. Qui se cache dans les ténèbres? Ça doit être la grotte qu'on a vue la dernière fois, du coup. Graine du vent. Tu as déjà vu un bloc coton redonner de l'énergie à un autre Pokémon? Oui, dans Pokémon. Si tu les observes bien, tu devrais comprendre leur méthode. Tritox contre-attaque. Ah, donc c'était bien après. Ouais, d'accord. Il y a eu un combat juste ici. J'étais trop pris dans le truc pour photographier tout ça, mais ils ont laissé plein de traces, regarde. Affable Lugula. Après, il paraît que les Lugulabs sont du genre à se mettre à danser quand ils sont de bonne humeur. J'aimerais tellement voir ça. Oh, bon, j'espère que ce sera pas trop compliqué. J'ai cru voir un être à me dormir en l'évitant, mais je suis pas sûr. Veux-tu bien les vérifier? Un Pokémon blanc. Lita a dit qu'elle avait vu un Pokémon aux pattes blanches dans le coin. Et si on essayait de le prendre en photo pendant qu'il mange une pomme tendre? Oh là là, j'avoue. T'avoue? Ok. Y a pas d'autre truc derrière? Non. Ah bah non, t'es bah en cours. Bah non, là je suis en cours. Ok, très bien. Très bien, très bien. Ok, très bien, allez. Craquement de doigts. Voilà, parfait. Vous les avez bien entendus. Tu veux, je peux faire le sound effect. Ouais, c'est vrai, toi tu sais le faire, je sais pas comment tu fais. Toi tu serais un bon personnage de jeu de combat sur ça. Ah, moi c'est par contre, ça. Le pire personnage de jeu de combat, celui que tu choisis jamais, tu vois. Regarde, il est mignon le Démolos qui dort. Ouais, je... Oh, mais oui, t'as mis ça. Du coup, bah voilà, j'ai comment l'art de gâcher des photos là. Alors, tu veux pas aller nourrir quelqu'un? Peut-être que vous allez nourrir Jirachi. N'oublie pas de donner à manger à Absol. Oh, c'est joli. Il vient de faire un vœu. Il est là, Absol. Bon, tu fais quoi, toi? Moi, je mange. Ah, il est là. Ah, il est là. Tu viens, Absol? Ah, yes. Oui. Mange la pomme, vite. Non, pas toi, Démolos! C'est bien. Super. Oh, il arrive, il veut un câlin. Fais-lui un gros super câlin. J'avoue que, franchement, je suis impressionné là par le. Ah, il y avait des chauves-souris partout. Mince, du coup, j'ai pas regardé parce que. J'étais tellement pris par rien du tout. J'étais tellement pris par me moquer de toi et le câlin de Absol que. Mais si, on lui a fait un câlin. Bon, là, il faut que j'arrive à faire sortir le Pokémon. Regarde, on voit sa queue, ce Bruiverne. Et regarde, Bruiverne, il cherche aussi dans la caverne. J'avoue, Bruiverne, t'es déjà posé là. Est-ce que tu veux? Ah oui, c'est bon. Oh. Bouh. Oui. Did I scare you? Ah non, c'est juste un... Mais c'est pas lui, du coup. Peut-être qu'il va appeler... Il appelle quelqu'un, là. Non. Nectalie. Nectar. Oula, ah bah il s'en va, lui aussi. Hein. Tout le monde s'en va, ici, genre, ok. Ils vont faire la fête. M'avait vu, hein. Ça me déçoit.
Bon, alors faut regarder un... Noctalie. C'est le régis de Noctalie qui parle comme ça, oui. C'est le régis de Noctalie. Ah oui. On parle souvent des aventures du Sacha de Pikachu aussi, hein, quand même. Il est très bien, le Sacha de Pikachu, le rock Noctalie, le rock Régis de Noctalie. Arrêtez, bande de jaloux, là. Non, c'est vrai, faut que je trouve celui qui dort, qui dîne à côté là, du là, bleu. T'as des cryptéros, ils font des trucs. Mais je sais pas c'est quoi. Enfin, il faut prendre, on est en train de faire un truc. Prendre pendant qu'il fait rien. Là, il fait rien, non? Il garde pas, là. Oui. Bon. Il suffit! Va dormir, toi! Allez, on va dormir! Oh, c'est Absol. Salut, Absol. Ça va? Ok. Moi aussi, ça va, c'est super! Oh, okay. Ah, mais oui, il y avait les chandeliers aussi qui veulent faire des trucs! Oh, oh c'est le regroupement. Eh, hey, mais tu vas bientôt arriver au ouais, regroupement ouais. Des Tritox! Ok. Il était où le bleu? Le bleu il est après j'imagine. Bon. Mais moi il y a une bagarre donc j'imagine qu'il faudrait que j'aide lui. Oh, ok là il s'est bien nourri. Est-ce qu'il arrive? Ouais il arrive. Oh, il va faire un combat. Vas-y Tritox. Vas-y prends-le. Il a fui direct. Oui là il y a un Pokémon derrière. C'est Absol, ah, c'est Absol. J'avais quoi d'autre à faire? Ah oui, bah du coup... Ah non, le oh, bleu... Oh, Noctalie dort! Il est où Noctalie qui dort? Il est vers l'eau. Ah, Noctalie, on dort plus. Allez. Oh, c'est pas le même. Il attend quelqu'un. Il attend son ami Absol. Ah ouais. Regarde. Ils vont faire un câlin. Oui, oui. Ah bon, bah d'accord. Regarde, il est trop content. Il joue. Oh non, j'ai plus de photos. Ah là, ça dégoûte. Photo. Eh, mais d'habitude. Mais il m'a fermé. Il a portonné. D'habitude, il dit ok, c'est pas grave, j'attends. Et voilà. Non, là, c'est. Hein t'as... Attends. J'ai jamais fini ce truc. Ah moi je voulais voir, je sais pas moi, Absol et Noctalie qui se frottent la tête l'un contre l'autre. Ouais non désolé, professeur il a dit. C'est démolo je reconnais. Ah c'est mon démolo préféré celui-là. Oh j'ai raté Tritox du coup. Oh non, c'est parce qu'on voit pas le machin. Pourtant elle est pas mal hein. Mais il fait son attaque ouais, mais il y a pas le on machin. On voit pas. Le bleu vert. Le machin. Non, mais... Elle est trop bien cette photo. Bon. Non. Ouf. Non mais t'inquiète, non c'est. On voit Absol qui mange une pomme. Attends. Alors tu veux laquelle de photo de Absol? Je pense la première c'est la plus zoomée donc. C'est elle que tu préfères. Oui, ça prend plus pour... de points. Alors Noctalie. Ah mais c'est pas mais la mission. Du coup on peut même pas les prendre. Elle. La mission c'est juste Noctalie qui sort de son trou. C'est même pas le même Noctalie d'ailleurs. Bah c'est pour ça justement. Bon. Bah très bien, on va prendre une photo. Ah oh, bah non en fait, elles sont trop bien ces photos, j'ai envie de la prendre quand même. Bah au pire c'est facile ouais, de répondre voilà, Noctalie. Franchement. Prends-les ensemble, ils sont trop mignons. Regardez-les. J'avoue que Absol du coup. Ah ouais c'est aussi du 4 étoiles chez Absol. Oh elle est trop stylée. Mais elle est trop bien cette photo, c'est dommage que j'ai pas pris cette photo de Noctalie, hein, franchement. Ah ça fait la photo pour Absol. Au pire tu prends photo d'Absol et on redonne une pomme à Absol. Enfin ouais, je sais ouais, pas. Ouais, ouais. Bah, vous avez fait aucune photo de la mission. Oh, franchement vous êtes bien nuls. Ah oui c'est vrai qu'il y a la mission de Blanco qu'on va faire. Oh, bon je pense que tu veux après. Il a pris des ruines. Ouais tu le prends pas les ruines. Je te fais. Ah mais j'avoue. Ah mais non Jirachi d'accord. On n'a pas. Bon on veut que du une et tout. Ah mais non c'est pas Jirachi qui explose. Ok. Je l'ai pas. Tiens. Laissez nos petits Absol jouer en paix, a dit le professeur. Alors, super try, hein. On a fait beaucoup de missions dans cet essai. Il a l'air bien calme. Oh, bon, il a bien aimé. Il est en train de voler. Il est en train de voler. Il est en train de voler. Attends, faut passe pas mon bruit vert, s'il te plaît, par contre. Hein. Je veux lire le bruit vert.
Ah non, c'est Absol. Ils ont l'air de bien s'amuser. Tu as plutôt bien réussi à immortaliser ce moment. Bah ouf. Ouais. Enfin, elle aurait sûrement fait plus de points si elle avait écrit Noctalie et pas Absol qui est même pas dans le cadre. Ah. Moi, tu l'as pris de très près. Ok, c'est tout. Je suis un peu déçu. Et en plus, il a même pas dit qu'elle était bien, ma photo. Je suis vraiment doublement déçu. C'est pas grave, on la prend quand même. Salut, Stiplou. C'est Tritox. Best timing. Bah oui, c'est ça, best timing. Et du coup, ça compte pas. Elle est bien, elle, cette photo, un petit peu. Il a l'air ravi, voilà. Ah, lui, il s'amuse pas, par contre. Il a l'air mais par ravi. Contre, il fait plein de points. Il a l'air... Bah oui, mais lui, au moins, il est bien centré. Enfin, c'est bien oui, le Pokémon oui. que j'ai pris en photo. Pourtant. Oh, on est même passé niveau max. Bien joué. C'est le GG, merci Melchiken pour les cheers. Je suis impressionné. Allez, on y retourne. Oh, vous avez obtenu la vignette exploration. Ah bah on a pris tous les Pokémon en photo. Ah ça y est, du coup on a pris tous les Pokémon en photo pour de vrai avant le DLC. Oui, tu as photographié tous les Pokémon d'Oreas. Les secrets de l'histoire de l'Antis sommeillant en cœur des ruines, qui eût cru? Ah bah peut-être qu'on va même gagner un fan d'Evoli. On est devenus des fans d'Evoli. Je suis une fan d'Evoli. Non, la phrase c'est je suis une éleveuse d'Evoli. Je sais, mais là c'était... ça marchait pas du ah, coup. Ah oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Oh non mais... C'est parce que quand j'étais petite, je faisais des vidéos. Les meilleures. Déjà, hein. Les meilleures. Ouais, franchement, tu vois, t'étais YouTube... T'as toujours été YouTubeuse, toi, en fait. Et du coup, y a une vidéo où je suis en train d'expliquer que je suis une éleveuse d'Evoli. Et je dis, vous pouvez me donner votre Evoli dans ma pension, je vais le montrer niveau 100, je pourrais le faire évoluer en Aquali si vous voulez. Ouais, tu dis même d'ailleurs que tu peux donner aussi des Pokémon et que j'avais joué de la musique pour qu'ils descendent. Ah, effectivement, j'aime bien la musique. Mince, du coup, c'est ce que je disais, on parlait de ton truc. Ah oui, tu disais même que toi, t'es une tellement bonne éleveuse d'Evoli que du coup, t'as des Evoli qui sont du niveau 1 au niveau 100. Vous demandez lequel vous voulez, je vous le donne. Enfin, oui. Je vous le vends, pas je vous le donne quand même. Attends, alors, du coup, Bruiverne, tu lui avais jeté des pommes. Ouais, je lui ai jeté une pomme, après il a pas été content. Non, mais je lui ai jeté dans la tête. Oui, mais j'ai raté là. Ah, ok. J'ai rebondi sur là, le. Là, regarde, lui il arrive là. Et... Bouh. Ah là là, faudrait un jour jouer avec Bruiverne quand même. Mm. Donc là, il y a Tritox qui vit avec Noctalie évidemment. Tel le Kung Fu Panda et. Oh non, il a pas appelé son copain du coup. Et non, il l'a pas appelé du coup. Il l'a. Vous mais t'es sérieux pas de moi là, t'es sérieux là? Non, si, il l'a appelé, mais maintenant c'est fini. Regarde. Ah, peut-être non, que... ça compte Tritox. Peut-être que t'auras une chance, il va venir, peut-être que ça compte. Ouais. Oh là là là, mais Tritox. Ah, attends, avant d'appeler Noctali, je regarde quand même si la pomme est bonne. La pomme est bonne, je danse. Je vais pas faire un truc, moi, déjà. Ah oui, si, c'est vrai, appeler... Oh, il fait quoi, là? C'est peut-être ça, hein? Wow, il était énervé à la fin. Bon, attends, du coup, le bleu... Ah, le bleu, il est là, donc il est vers là, le Netrum qui dort. Tu parles de ça? Je sais pas. Oh. Sur la photo, il était vers le truc bleu, c'est pour ça. Moi, je t'avoue que c'est plus le Gulabre que je voulais voir. Oui, j'imagine. Merci, Magès, pour l'abonnement. J'ai essayé pour avoir photographié tous les Pokémon du jeu. Alors, vous en pensez quoi du bestiaire du jeu? Bah, le bestiaire du jeu est très sympa, je trouve. Je suis assez satisfaite aussi. Il y a plein de bonnes surprises. Du coup, c'est plutôt cool. Pilo, elle vous dira, il y a Jirachi, Absol, que dire de quoi demander de mieux. Il n'y a pas Charmille. J'avoue, franchement, ils ont pas mis Charmille, mais d'un côté... Est-ce que c'est vraiment un Pokémon qui existe dans la nature, ce Pokémon? Je pense pas. Assez compliqué, hein, Charmille. C'est un Pokémon que j'aime beaucoup. Mais... Ils sont passés où, les Lugulabres? Mais oui, non, mais... J'ai pas vu un seul Lugulabre non plus. Du coup, t'as pas fait.
J'ai rien fait, effectivement. Ah bon, bah il faut jouer de la musique en même temps. Ouais, c'est ça. Mais Jirachi aussi est parti, du coup. Oui, oui. Ah non, ils continuent de faire des trucs ensemble. Ah non. D'accord. Je préfère des mauvaises blagues, mais je vais pas le faire en me disant ça c'est l'eau quand je lui dis de venir m'aider et puis elle s'en va. D'un Pokémon Unite. Ah, oh bah écoute. Y'a Reptacel qui monte. Ok, moi je vais attaquer le truc en bas. Pourquoi t'as gagné autant d'ex? Moi je suis. Bah, est-ce que je suis tout seul à tuer tout le monde en haut? Je comprends pas comment c'est déjà niveau 13, moi je suis pas niveau 13. On va prendre la bonne photo. Qui est votre Lumina préféré d'ailleurs? Oh, j'avoue que j'ai bien aimé l'émission de Lumina, les petits scénarios Lumina qu'il y a eu. Je l'ai trouvé trop mignon. D'accord, bon. Très bien. Moi j'aime bien cette photo de Tritox. Ah, c'est une photo de Tritox, pas une photo de Noctali, ok. Alors, tu préfères laquelle photo de Noctali? Elle fera plus de points, mais elle est rigolote. Hein. Les deux sont bien. J'ai bien aimé les petites histoires Lumina, je l'ai trouvé trop mignon, Stylix qui protège les... Bébé bruit vert. Ah mais attends, du coup c'est pas la mission. Ah oh ouais, purée. Non mais elle. Non mais c'est elle là qu'on va passer 20 ans et demi dessus. T'inquiète, je suis obligé d'elle. Vas-y, on laisse le professeur choisir. Il préfère le zoomer. Il préfère le zoomer. Bah attends, c'est le professeur quand même. Bien sûr qu'il préfère le zoomer. Il est en train de manger. En revanche, observe bien le Pokémon avant de prendre en photo. Quoi? Mais... Tu devrais le prendre en photo quand il mange mieux. Nice. Mais... On dirait qu'il a aperçu quelque chose. Tu as bien immortalisé ce moment. Bah oui, là, par contre, ça passe. Ah oh bah, bien joué, hein. On est... Un ton de comportement. Ce qui est plus banal. Allez, voilà, c'est bon. C'est banal de voir des Noctali courir, franchement. Bon, bah... Un comportement très ordinaire. Allez. T'es prête pour 2 heures de recherche de Cryptero? Moi, oh je suis... Moi, je suis chaud, là. Ça va être ça. Attends, mais on n'a pas encore fait Lugulabre aussi. Hein. Ouais, c'est vrai. Et le Nétram. Ouais, c'est vrai. Il reste quoi, Nétram, Lugulabre? Ah, il reste aussi Tritox, que tu n'as pas fait. Mais oui, j'ai complètement oublié. Et en fait, c'est à ce moment-là que je me suis dit, ah tiens, t'as pas fait. Mais en fait, moi, oh, allez, c'est pas grave, moi je vais faire. Je comprenais pas de quoi tu parlais, j'ai complètement oublié. Oui, mais non, mais j'ai pas terminé ma phrase. Toi, t'as dit, oh, moi je suis rien fait, moi. Oh là là. Très bien. Ah oui, il y a aussi lui, là. Ah mais oui. Ah non, mais en fait, j'ai vraiment rien fait. Hein, non, mais lui, on sait pas encore ce qu'il faut faire. Donc, il faut qu'il soigne quelqu'un, donc blesse quelqu'un, comme ça. Le blanc coton, il le soigne. Ah, au début, je pensais que ça serait éventuellement Jirachi. Mais en fait, non. Jirachi va très bien. Bon, alors, est-ce qu'il existe encore? Ouais. Oui. Est-ce qu'il est blessé? Est-ce que tu dois soigner? Mais non, mais va-t'en, le chien! Attends, si je le blesse, et que... D'accord. Il chante, il est content. Mais c'est pas vrai. Mais il est passé où, Natu, en plus? Il est parti. Bon, on va recommencer. Le chien, Démolos. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait, Démolos? Démolos. Ah, mais c'est un peu comme mon chien. Mon chien était pareil. Hein. Il y avait une photo à prendre. Il était là. Hein. Il y a pas de souci. Bon. Donc là, on sort Natu. On sort Natu. On sort Natu. On sort Natu. Ah, voilà. Et Blancoton, il est là. Si je le frappe. Non, il soigne personne, là. Et le Natu, il est encore parti. Salut, Tsukiyé. Peut-être que j'y vais. Salut, Mr. Gale. Peut-être que j'y vais trop vite.
Donc je vais essayer d'y aller plus lentement le temps que... Je sais pas si c'est lui qui y va du coup, au final. Qui atterrit là-bas? Bon, un démolos, tiens, va manger des pommes toi dans ton coin, comme ça tu m'embêtes pas. Ils se posent tous par terre à un moment donné. Ok, et lui il veut plus sortir. Ah, voilà. Ah, ah c'est bon. Attends, ben non, mais c'est pas du soin ça. Ouais. Il fait juste des pisses en lui. Bon, là-dessus, il va partir ou pas? Non. Ah et ah, ah. Bon, j'ai que pris plan coton, évidemment. Natu, pardon. Bon, on verra. On relira la mission. Mais vautard que tarta. Bienvenue, du coup. Ah, il l'a mangé. J'avoue, il faut qu'il aille se battre avec Tritox, lui. Tritox, ah si, ça y est, le voilà. Bon. Ah, et ben, il fallait regarder les streams sur Origins. Mais je plaisante, hein. Je sais pas, on pose tout au hasard. Ah, ah, ah. En fait, il était caché là. Et du coup, il a disparu, le Tritox. Non, bon, alors, où est Chandelure? Il vole. On le voit descendre. Mais après... C'est quoi ça? Ouais, ouais, désolé. Hein. Il, ah, est là. Il est là. Il faut qu'il danse. Non, 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 où est-ce que tu vas? Bah, il va peut-être danser ailleurs. Ah. Ah bon. Bah d'accord. Ah, moi aussi j'ai bien aimé jouer avec le cul là. On se reverra de l'autre côté du mur. Eh, mais il boit plus le démolos. Ah, mais non, il boit plus, il a jamais vu ici. Il ne boit plus le démolos. C'est une honte, monsieur démolos. Bon, ce qu'on va faire là, on va essayer de s'éloigner un petit peu. Alors, tu vois, Tritox il est là. Oh, on a même un autre. On a même plein en fait. Mais ok, derrière il y a que ça. Ah, et là il est prêt. Regardez-le là. Bon, j'espère qu'elle est bonne, cette photo. J'avoue qu'il y a des blancs cotons ici. Est-ce que c'est eux aussi qui peuvent soigner? Moi, ouais, je sais pas. Ah bah c'est sûr qu'au niveau Pokémon Spectre, il y a plein de trucs sympas. Alors, qu'est-ce qu'il fait lui? Il dort peut-être, c'est bien lui hein, qui dort. Hey, j'avoue. C'est clair qu'on dirait qu'il chill tranquille, lui, en fait. Mais oui. C'est lui, la mission. Le fameux golem à stock, c'est 16. Bah oui, bah oui. Non, mais lui, on en parlait. Lui, le meilleur. Hein. Il venait de Dragon Ball. Ah oui, non, mais il est... Ah, lui, le maître chiller, s'il compte pas, c'est trop bizarre. Il reste... Ah oui, Lugula. Ah oui, là, est-ce que du coup... Ah bah là ça prend une danse ça. Oh, ça presque... Oh, 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 oh. Termine ton exploration et reviens à la base maintenant. Ok, ok. Ok, professeur. Ah, stop having fun. Mais... Bon. Blanc coton, c'est quand même bon. Ok, du coup c'était quand il faisait ses pissenlits. Mais le premier il était pas bon. Bon bah. Bon bah t'as choisi entre deux photos.
Bon, bah, on va prendre celle-là. Natu. Ah, mais non, mais l'autre, peut-être que c'était Natu qui était sur la photo. Cryptero. Bon, bah, c'est Cryptero qui dort. Gulab, ça n'a pas compté, il semblerait. Ah. Il n'était pas en train de danser, apparemment. Bien sûr que non, c'est pas ça un Lugulab qui danse, t'as jamais vu un Lugulab danser ou quoi? Bon, très bien. Tritox, c'est bon, ça fait plaisir. Oh bah t'as même eu qu'une seule chance. Hein. Bon, visiblement c'est un truc très précis, Tritox. Hein. Voilà, ça va, t'as l'embarras du choix. Oh non, mais il est tellement bien ce Netram, c'est incroyable. Ouais, et puis ouais. Ok, et donc là, bah, du coup, il reste encore notre petit ami... Chandelure Lugulab. Et c'est tout. Ah bah d'accord, ok, oui, bon, bah, très bien. Wow. Que de générosité, mon bon ami miroir. C'est quoi votre professeur Pokémon préféré dans les jeux de la franchise? Professeur miroir, bien sûr. Oh, on avait dit que nous, on était super fans du professeur... mince, Kukui, il s'appelle... Kukui, il s'appelle... Euphorb. Ah ouais. Le meilleur. Avec sa femme, brunette. Franchement, ils sont trop cool, ces deux-là. Tritox. Il expulse du Galcos toxique pour riposter. Quel talent. Ah bah oui, c'est Royal Mask. Ah, c'est vrai en plus. C'est vrai. C'est vrai qu'il est... Avec son fel à l'inferno. Yeah. Le fel inferno de Smash qui... Yeah. Incroyable ça aussi. Hein. Ah bah pourquoi pas. Une fois, mais vraiment cool, il a un style plus décontracté contrairement à ses prédécesseurs. Ah non, mais franchement, ils ont bien fait notre ami Euphorb, je trouve, effectivement. Du coup, voilà, j'aime vraiment beaucoup Euphorb. Bah dans le même style avant lui, il y avait le professeur Seiko. Ouais, c'est vrai. J'aimais bien le professeur Seiko aussi. On dirait qu'Absol, on peut le manquer. Tu l'as manqué, Absol? Oui, là, il n'y a pas d'Absol. Ah, ouais. Et du coup, toi aussi, il n'était pas là du tout. Mais c'est vrai que le professeur Miroir a eu des réactions incroyables, que ce soit un parti sur Nipoca, n'importe quoi. Bon, professeur Miroir, pour de vrai, j'avoue que je sais pas quoi penser de lui. Parce qu'il a, l'air quand même d'être quand même... un peu méchant, quand même. C'est ce qui fait son charme. Non, je plaisante. Non, parce que bon, le nombre de missions, notamment celle qui a fait fureur aussi dans les commentaires YouTube, le nid des... Donc là, lui, je l'ai quoi? J'ai joué de la musique, je crois. Bon, après, en vrai, il y a un truc que j'ai pas fait avec Lugulab, c'est lui donner à manger avant de lui faire. Et en général, tu sais... Les Pokémon, ils aiment bien danser après avoir mangé aussi. Ah bah t'es quand même là, Absol. Ah oui, j'avoue. Qu'est-ce que je disais à propos de... Le professeur Miroir. Non, mais franchement, mais ouais, mais il a fait sensation avec sa mission des nids, là. Avec les nids, là, non mais... Oui, alors, ce qui paraît, les oiseaux, ça pond des œufs. Est-ce que tu veux vraiment... Est-ce que tu pourrais me le prouver, s'il te plaît? Je suis pas sûr. Ah ouais, c'est bon. Ok, c'est ok. Les oiseaux pondent bien des œufs. Je suis impressionné. Ça mange quoi un Lugulab? Ça mange des pommes. Bien aimé. Wow. Wow. Ah, ça y est, il va manger sa pomme. Wow. Ça, c'est de la belle danse. Donc maintenant. Et là, si tu joues de la musique. Ça ne change absolument rien. Ah, il faisait pas ça tout à l'heure, si? Je crois pas. Ah, ça c'est de la danse de joie, ça. C'est bien. J'imagine. J'imagine. On va essayer de le prendre en rafale, tant qu'à faire, on a plus trop de photos. Ouais, vas-y.
On rebondit bien quand même. Tu ne peux plus prendre de photos, alors on arrête là. Très bien. Fin. C'est bizarre, il y a un air un peu de sans cœur, c'est vrai. Fais attention, du coup, j'ai mis le mode rafale. Ouais. Le pire pour moi, c'était Fenard où il fallait taper des pauvres Vivaldins qui n'avaient rien demandé avant d'attaquer Fenard. Mais oui, c'est vrai, c'est cette photo. Ah ouais, non, mais c'est ça aussi. Non, mais elle, c'est la pire mission dans tous les sens du terme. C'est vrai qu'on n'en parle pas souvent de cette mission de Fenard. Hein. On l'a oublié, cette mission de Fenard, en termes de pire mission du jeu. Oh, ça, c'est du bon gros plan. Hein. Ah ouais, là, il va être content, là. Oh. Mais d'un côté... Est-ce que j'en ai pas une mieux? Là, Mais c'est vrai que Fenard, là, aura cette mission. J'hésite entre les deux. Là, on le voit bien en bas, et là, on voit le feu. Et moi, je préfère quand on voit le feu. Après, elle est bien, mais il est tout petit. Ah, il y a celle-là aussi. Ouais. Alors, tu préfères celle-ci je sais pas, moi, tout ce que... Ou celle-ci. Je t'avouerai que ce qui me fait rigoler sur ces photos en gros plan, c'est que... Je vois absolument pas en quoi il est en train de danser. Ok, on prend celle-là. Bah oui, il fallait bien que je prenne ma petite photo de Absol. Ah bah oui, attends. On n'a pas toutes les photos d'Absol. Mais celle-là, on l'a déjà. Tu te rends compte, on va quitter les ruines. On n'aura même pas vu ce dont Absol était capable. Bah il discute avec Noctali, c'est déjà pas mal. Mais si ça se trouve, il y avait une interaction avec Jirachi. Enfin bon, tant pis. Bien sûr, il y avait une interaction avec Jirachi. Oh, triste. Allez. Bon. On va voir ce que... La mission finale. Xerneas nous réserve. La mission finale. Mm-hmm. Ça fait plaisir. Je retiens la mission de Mamambo que j'ai fait aujourd'hui, où j'ai dû taper un pauvre Mamambo jusqu'à ce qu'un biscuit le console avec un câlin. Ah, moi, je suis pas sûre que c'est ce qui se passe. Alors, ensuite... Aureas, c'était très bien. Et on veut les... En cours. C'est compliqué, hein. Mais oui, mais oui. Il y a une grande quantité d'énergie lumina par ici. Je me demande si elle peut influencer sur le comportement de Xerneas. Ok, bon, bah, on va tout prendre et on verra ce qu'il veut. Hein. Allez, à toi de jouer. Ok. Alors, source lumina, on y est, on y va. Son expression donne l'air qu'il danse, j'imagine. Ok, c'est parti pour le combat de votre vie. Il arrive là-bas. Regardez-le. Ah, ben ah si, il arrive. Non, il arrive pas. Il arrive pas. Il faut se décider. Faut se décider, monsieur Xerneas. Je sais plus s'il faut jeter une pomme ou si non, mais là ça marche plus. J'ai envie de dire une pomme par rapport à Pokémon Snap 1, mais non, c'était mieux comme ça. À mon avis, tu le bombardais d'orbe lumina. Ouais, voilà, non, c'est bon. Orbe lumina, ça marche. Ok. Super. Ça fait plaisir. Du coup, tu dois faire je sais plus quoi. Je dois l'amener à un endroit, mais je pense que je vois où il est. Merci les montages. Très bien. Mais en tout cas, les héroïnes, vraiment très contentes de revenir les explorer, finalement. Ah, il est là. Il nous demandait quelle zone on aimait bien, mais j'aime beaucoup les héroïnes. J'avoue que un Pokémon ici, du coup, il y a plein de cotons. Allez. Ouais, c'est bon, je l'ai eu. Ah non, il faut l'avoir plusieurs, quoi. Voilà. Oh, belle esquive. Attends. Ah bah oui, évidemment, je le suis fait avoir. Ah, bah ça a l'air d'être dans le coin. Est-ce que si je réveille mon monsieur de Molos... Ah là, il y a une fleur. Ouais, c'était vers ici, du coup. Oh, il y a même Absol, on va être entre lumière et ténèbres. Ah ouais. Si j'arrive à allumer. T'y arrives pas, tu la touches jamais. Ouais. Et derrière, ouais. Y a quoi? À gauche? En haut à gauche? Ah non, c'est un blanc coton, ok. Non, c'est...
T'es pas intéressé parce qu'il t'a pas assez de public, là? Allez, allez voir, truc. Il veut pas, sinon. Ah! Ah non, ils n'ont boulot, ils n'ont rien à faire. Ah non. Merci, c'est easy, il faut faire un truc, Xerneas. Bon. Et puis ils partent tous. Bon, je pense que j'ai raté. Alors, on recommence. Merci beaucoup, Magiken, pour l'abonnement, effectivement. Bah en plus, il faisait rien. Donc il y avait vraiment... On dirait qu'il était en mode, bon alors, mon public, il arrive quand, là? Bon, mon public, il arrive quand, là? Vous n'étiez pas très bon public, les démolos, ça ne l'intéressait pas. Eux, ils étaient plus en mode, qu'est-ce qu'on mange ce soir, des fruits encore? Oh là là, il n'y a jamais rien à chasser dans ces ruines, c'est fou. Sinon, vous avez du blanc coton, mais c'est bof, quoi. Ouais, je pense que c'est pas mieux. Ça doit être mon passage préféré de Xerneas, ça. Ouais, je te donne de l'énergie, Xerneas. Tu vois, il y a Absol ici. Ah, bah, il y a l'air d'avoir presque tout le monde. Hein. Vous, il y a des démolos. Oh là là, qu'est-ce que je suis nul. Non, 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 c'est pas toi qui es nul, c'est Xerneas qui est un coquin. Est-ce que le blanc coton qui dort, il fallait le réveiller? Ah, non. Bah, il est réveillé. Très bien. Bon, en fait, c'est lui depuis tout ce temps, peut-être. Y aura-t-il un autre Pokémon à réveiller? Bon, alors, les gars, allez voir Xerneas. Il veut. Il a l'air de vouloir avoir une audience là. Bon, là, je peux pas faire après, plus. Y a Absol, tu veux pas aller voir aussi? Non. Bon, Blanc Coton, il est là derrière, il rigole. Ouais, il manque un Pokémon, j'imagine. Il doit manquer, oui. Il y a un Cryptero au tout début, j'ai pas envie de dire est-ce que ce serait lui que tu rates. Bon. Va falloir réfléchir. Non, il y a un Cryptero au tout début, tu dis. Ah. Ou alors j'ai rêvé. On rend des bêtises, t'inquiète. Je croyais que c'était la boule là-bas et qu'il y avait un Cryptero, mais t'inquiète, j'ai... Oh, mais attends, c'est... attends, à gauche, dans le trou, hein, moi je te parle vraiment. Mais tu regardes jamais au bon endroit. C'est quoi qui fait ce bruit? Donc. Là, oui, on le voit, mais pas là, à droite. Tu vois pas? Ah, là, oui, lui. Et c'est lui dont je parle. D'accord, très depuis bien. Depuis tout le temps. Tout ce temps. Tu regardes pas dans le trou, là, bah oui. Mais oui. Mais il y a des chauves-souris, c'est eux. Ah, c'est eux qui faisaient tic 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 tic. Enfin, bref, voilà, il y a beaucoup de Pokémon. Et là, il y a un chauve-souris. Bon, après, hein. Oh, ah, regarde oui. Le coquin. Et là, si tu vas voir le Cryptero et le chauve-souris. Bah ils sont plus là. Mais si, à droite, il y avait Cryptero. Non, tu le vois pas. Mais tu t'as regardé derrière toi et pas à droite. Et voilà, il est là. Non, c'est pas grave. Les chauves-souris à gauche, ok. Ah. Ah, chauve-souris. Est-ce que tu veux pas venir avec nous? Le Cryptero est juste en dessous. Cryptero. À gauche. Ils étaient en dessous en fait. Mais ils ont pas l'air de bouger. On a pas l'air de venir en fait. Ceci donc, dit. Ne perdons pas de temps. Depuis tout ce temps, c'est parce que c'est. T'as pas le Magikarp dans le jeu. Bon, ok. Bon,
Que ça soit pas là après. Il y a un truc en haut, un bleu, des blancs cotons, ok. Ouais. Après, il y a ce blanc coton qui suit. Ah oui, il y a plein de choses à gauche en fait. Mais vous voulez pas aller voir Xerneas. Enfin, si, vous allez le voir. Mais à gauche, il y a plein de Pokémon et du coup, tu. À gauche, il y a plein de Pokémon. Ils sont trop loin. Ah non, ça marche quand même. Ouais, non, ils n'ont rien à faire. Mais en plus, il me semblait qu'ils parlaient des variations de quoi ? Ah, ils ont dit Aou. Oui, c'est parce que c'est fait Aou. Ah, ok. Ah, attends ! Oh, oh, oh ! Ah, ça y est, il a fait le jeu au contrôle. D'accord, et pourquoi il l'a fait, là ? C'est parce qu'ils ont fait Aou ? Non, mais je comprends pas, là. Effectivement. Tout à l'heure, ah bah non, lui, il a pas bougé. Très bien. Oh non, c'est pas... De toute façon, ça avait l'air d'être ça, la mission. Je pense que oui, c'est ça. Regardez-le, il chill. Le Pokémon légendaire de la vie. L'arbre Yggdrasil. Pardon, Xdrasil. Ah bah, il y a une Octalie aussi. Non, c'est Xernéa, je te permets pas. Ah mais franchement, en New Pokémon Snap, ils ont vraiment, vraiment fait des choses vraiment très agréables. Oh, regarde le qui se gratte. À regarder. Non, franchement, ouais, non, mais voilà, c'est pour ça que je dis, c'est vraiment un jeu détente. Si t'aimes Pokémon, c'est cool à regarder. Et voilà, ça y est, c'est devenu un arbre. C'est un arbre mort. Oui, c'est étonnant qu'il ait pas, je sais pas. Mais c'est parce qu'il est fatigué, il a dû affronter la météore ou le comète, je sais plus ce qu'ils avaient dit là. Du coup, ça fait 1000 ans là qu'il dort. Ah oui, la fameuse comète. Franchement. Je croyais que t'en parles. C'est bon, voilà. Très bien. Et là, tu prends pas la bonne photo. Chaos Control. Mais non, tu comprends pas, c'est la discothèque. Oui, hein, la discothèque des Pokémon. Trop bien. Alors, c'est quoi qui est nouveau? C'est le 3 étoiles. Il est super en train photo de Noctamie. Hein. Oh, il baille. Ah ouais, je veux le faire qui est en train de se gratter. C'est rigolo, ça. Voilà. Il est molos. Il explose. Il est molos qui explose. Des molos qui fuient l'explosion de Vegeta quand un qu'il affronte Majin Buu colorisé. Ah, mais c'est Xerneas. Il déploie une puissance phénoménale. Tu as pris la photo au bon moment. Waouh, wow. 5808 points. C'était beau. C'était magnifique. C'est des molos. On dirait qu'il se dirige quelque part. Il se dirige vers la lumière, c'est pas bon pour lui. Ne va pas vers la lumière des Molos, quoi qu'il advienne. On ne voit que rarement ce genre de comportement. Un Octali, normalement, ça ne se gratte pas. Voyons. Inadmissible. Très bien. Bon, bah voilà, on a terminé toutes les missions du jeu. J'espère que tu es heureuse. Ah bah oui, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Mais t'inquiète pas. Ça, c'est ce que tu croyais. Phil t'attend dans le jardin. Ouais, j'allais dire. Ça, c'est ce que tu crois, par contre. Non, avant de faire ça... Tu en as rien pour avoir fini toutes les missions ? Attends, bah non, on n'a pas fini, on a des nouvelles. va aller lire les missions. Va aller lire les missions avant de... Mais je pensais qu'on aurait un truc au moment pour les missions, tu vois, genre bravo. Mais attends, t'as des stickers à chaque mission réussie, on va pas te donner un cadeau en plus ? Bah si, quand même ! Moi, j'aurais donné une mission, tu vois, c'est bien. Regarde, 213 sur 213, c'est beau. Moi, je dis ça, c'est beau. Alors, voici le délassement de Démolos. Super photo de délassement. Je vois, il leur arrive donc de s'étirer pour se relaxer un peu. Voilà qui me rassure. Tu as déjà vu un boulot blanc coton redonner de l'énergie? Mais oui, mais tu as réussi à prendre en photo. Bravo, tu sais que les graines de duvet de blanc coton sont pleins de nutriments. Pomme perchée. Il faut la faire niveau 1, sinon ça marche pas. Voilà, c'est lui. J'étais trop hypnotisée par la scène pour le prendre en photo. L'épingle à cheveux de Rita. Merci de l'avoir fait. J'avoue que du coup, elle est super fourbe cette photo parce qu'il n'y a absolument rien qui te fait penser que c'est une photo une. Bah oui, puisque c'est pareil. Parce que même dans le niveau 3, ça marche pas. Bah oui, parce qu'il a mangé.
avait donc un Absol ici, c'est sûrement lui que Rita avait vu. Alors toi aussi, tu les as vus se battre. Ruvern est super fort. Splatoon. Mais Tritox se défend pas mal non plus. Je savais que tu dirais ça. Ça c'est quoi ça? Ah oui, c'est Bruvern qui flâne. Ouah, tu l'as pris pile quand il fallait. Comment t'as fait? Bah, on nous a donné le mois de Raphaël, c'est tout. Ah bah c'est sûr que Pokémon Snap, premier du nom, il n'y avait pas autant. C'était donc vrai, les Netram travailleraient si dur. Oh, c'est mignon comme sticker. Il mériterait bien une petite pause de temps en temps. Dans la dernière zone, le professeur Miroir, il est sans voix. Toi de sourire. Bien joué, c'est pas facile de les surprendre en pleine pause. Continue ainsi. Super photo. Merci. Je suis déçue. Ça c'est du niveau de Spyro le dragon. Merci de m'avoir libéré. Hop. Hop, salut. Mais non, mais sérieusement. Déjà que le professeur il a dit la photo elle est nulle. Et toi il est là. Ouais, super okay, photo, c'est bon. Merci. Allez, bye. Hop, salut hein. C'était sympa. Merci. J'aime bien. Allez, bye. Oh, tu les as eus. C'est exactement cette photo que j'ai essayé de prendre, ils sont trop stylés. La fable du Gulabre. Il a l'air de s'éclater, merci de l'avoir pris en photo. Oui, oui, j'imagine bien. Fondu dans les ténèbres. Très fondu dans les ténèbres, ce Pokémon, oh, n'est-ce pas? C'était un Octali, merci d'avoir enquêté. Ils ont la flemme de parler, c'est incroyable. Oh, c'est la fin du jeu, c'est bon. Quelle photo fantastique, il paraît qu'à chaque fois que Jirachi prend cette pose, il exauce un jeu. Merci d'avoir enquêté cette photo et illustré parfaitement la discothèque des Pokémon. Et ben voilà. Très bien. Allez, nous sommes partis en haut. Non. Non. Ah non, avant. Non, d'abord je mets en ligne. Ah bah oui. La meilleure photo de l'univers. Il n'y aura pas meilleure photo. Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. Je vous dis tout de suite à laquelle on supprime. Celle qui a le moins de points. Ah mince, c'est la photo de Rookoops. Moi, je serais tenté d'enlever le petit Evoli parce que ouais, ça fait ouais. longtemps. Ouais, je pense aussi. Il est là. Je pense aussi. On peut pas supprimer une photo de Rookoops comme ça impunément. C'est un Pokémon Dragon Combat. Oui, on peut pas. Voilà, c'est bon. Non, mais c'est... Est-ce que tu veux mettre un costume? Est-ce que tu veux changer la description ou... Non, c'est très bien. Vas-y, vas-y. Non, c'est très bien. Ah oui, voilà. C'est vrai que t'avais pas réussi à la mettre en ligne la dernière fois. Ah oui, j'ai freeze quand j'ai voulu mettre en photo. Est-ce que ça a marché aujourd'hui? Oui, ça va. Ah, c'est bon, c'est parfait. Voilà, on a pu mettre la meilleure photo en ligne. Et le vœu d'Arico que Jirachi a exaucé, bien évidemment, c'était de mettre en ligne cette photo. Oh bah tiens, je te donne la manette. Merci, cette photo est parfaite, mais... Ah non, c'est la meilleure photo de l'univers.